Vous êtes un footeur de M. RDE, Julien Courbet se fait violemment insulter par un artisan en direct sur RTL. Vendredi 9 décembre, Julien Courbet était aux commandes d'un nouveau numéro de Ça peut vous arriver, diffusé sur RTL. Au cours de l'émission, le présentateur a subi les foudres d'un artisan passablement énervé. Du lundi au vendredi, Julien Courbet vient en aide aux consommateurs dans l'émission Ça peut vous arriver, diffusé sur RTL. Ce vendredi 9 décembre, l'animateur a tenté d'apporter son aide à Jean-François, copropriétaire et président du syndic dans une résidence d'immeubles. Le 19 août 2020, ce dernier a signé un devis à 22 185 euros pour des travaux de toiture et de rénovation et a réglé à l'artisan 16 000 euros en deux fois avec deux accomptes de 8 000 euros. Quelques mois après le début des travaux, le chantier a été stoppé en raison du Covid-19. Finalement, après avoir versé 60% d'acompte, l'artisan qui devait mener à bien les travaux n'a pas fini le premier bâtiment et n'a jamais commencé le deuxième pour effectuer les travaux de toiture. Ainsi, deux ans et demi plus tard, le chantier n'est toujours pas terminé. Vous êtes un fouteur de merde. Afin d'aider Jean-François, Julien Courbet a contacté par téléphone le responsable de l'entreprise de rénovation pour avoir quelques explications. Le chantier sera terminé quand les tuiles seront là il n'y en a plus et je ne peux pas les fabriquer je ne peux rien faire d'autre qu'attendre c'est justifier charles l'entrepreneur après avoir fait remarquer à charles que ses justifications étaient différentes de celles initialement envoyées aux responsables du syndic julien courbet a fait l'erreur de dévoiler le nom de famille de l'entrepreneur en direct sur rtl je n'ai rien à cacher mais vous êtes un fouteur de m RDE, monsieur courbet a alors répété plusieurs fois charles passablement énervé calmez-vous vous allez faire un infarctus, c'est amuser l'animateur de ça peut vous arriver, avant d'être traité de grosse et astérisque N et de se faire raccrocher au nez. Je sais, j'essaie de m'améliorer mais c'est de pire en pire. Je suis un très gros et astérisque N maintenant, a ajouté l'ancien chroniqueur de TPMP. Une situation à laquelle est habitué Julien Courbet, qui résout ce genre de litige depuis plus de 20 ans.